Connu pour ses mélodies entraînantes et ses textes touchants, Dadju a tenu en haleine la scène musicale lors de sa dernière représentation aux côtés de Taïk. En effet, au cours de ce dernier concert livré à Paris en duo avec Taïk, même si ses fans ont été gâtés avec des apparitions de Gims et Singila, mais c'est une phrase énigmatique de Dadju qui a capté toute l'attention. Je vais bientôt te calmer. Ça y est, j'arrive à la fin. Ah si, si, je t'assure, je suis super fatigué, c'est pour ça que je fais le fou, Michael Jackson, tout ça, mais bientôt, vous n'allez plus me voir du tout. Après une décennie de succès et de hits tels que Ren, Dadju avait déjà partagé ses pensées sur une éventuelle fin de carrière en 2022. Il avait exprimé ses sentiments proches de la fin. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me vois pas faire une carrière de 15, 20, 20 ans, tout ça. On est à 5. Là, on est à 5, tu vois. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter, tu vois. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire autre chose. La musique, plus que tout, c'est ma passion. Ouais. Donc c'est pour ça que là, je reviens sur ce que j'ai dit. Je compte pas arrêter tout de suite. Si tu me poses la question, est-ce que tu te vois dans 10 ans en train d'être sur scène et tout? Non. Cela laisse à penser que sa récente annonce pourrait ne pas être une surprise totale. Cependant, les futurs de Dadju restent incertains, car pour l'instant, il continue de partager la scène avec Taïk et il faudra attendre voir si ce mot se traduira par un retrait de la musique ou une simple pause. Quoi qu'il en soit, le public reste en attente de clarification, espérant que ce ne soit pas la dernière note d'une chanson qui a bercé bien des cœurs. Aujourd'hui je suis fatigué, je vais regarder dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit.